Le grand express de voyageurs, c'est moi. Quelle classe, quelle tenue, quelle ligne. D'autres l'ont déjà dit, le grand express, c'est l'orgueil de voyageurs. Revenons à nos moteurs. Pouvez-vous imaginer les rues et les routes des années 20? Elles étaient tellement mauvaises que même les vaches, dit-on, avaient des crevaisons. Ah, il y avait des autobus dans ce temps-là. Monsieur Pitre, le président de voyageurs, peut vous en parler. Ce qu'il en dit, il tient ça de son père, bien sûr, qui lui a dit à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à une grosse automobile. Ça s'est développé graduellement là, lorsque les moteurs et les routes l'ont permis. Vous êtes passé de petites automobiles à deux places, à quatre places, à six places. Le style camion a pris naissance. Vous êtes retrouvé, là, lorsqu'on regarde les images du temps, avec des camionnettes, finalement, dans lesquelles on mettait des sièges et dans lesquelles on transportait un petit peu plus de monde. Alors, c'est comme ça que ça a évolué. C'est à ce moment-là que mon aïeul, qui bouillonnait d'idées dans le radiateur, décide de fonder sa dynastie, la Compagnie de Transport Provincial, CTP pour les intimes. Quant aux jaloux et aux comiques, il disait CPT. L'entreprise était sérieuse. Nos pères, qui n'étaient pas de grands parleurs, avec des mots sadelons, faisaient sans le savoir de la prospective. Je pense que vraiment, là, une conscience d'un organisme de transport avec une espèce de service organisé s'est vraiment développé là, à partir de 1928. En gros, jusqu'à 1944, je pense que ça a été une évolution assez non planifiée, si on peut appeler ça comme ça. Et tranquillement, là, tout à coup, les gens ont perçu le besoin d'un système de transport entre les villages, si on veut. Dans ce temps-là, c'était pas bien gros, il y avait une quarantaine de chauffeurs. Il n'y avait pas plus que ça. Dans le bureau, ben encore moins, parce que durant le mois de novembre et décembre, ben on laissait tomber les employés. On les envoyait chez eux, on recommençait le printemps ensuite. On engageait d'autres chauffeurs, je m'en rappelle de ça. C'est moi qui leur donnais leurs uniformes, leurs casques. Il y avait un bureau au deuxième étage, au carré Philippe. Ça, c'était le premier terminus de la compagnie. Vous, ce qui est classé, là, à un moment-là. Ni plus ni moins, c'était une maison de chambre. Dans tous les bureaux, bien, il y avait un lavabo. Puis, il y avait trois chambres de toilettes sur un plancher, trois chambres de toilettes sur l'autre. Puis, il y avait des bains. C'était ni plus ni moins qu'une maison de chambre. Monsieur Saint-Aubin était trop jeune pour deviner que nous aurions un jour des toilettes dans les autobus. Pour voyager, fallait être prévoyant à cette époque. C'était gênant pour un passager, enfin pour une passagère surtout, de demander « Pardon, monsieur le conducteur, est-ce que... » Mais enfin, en tout cas, ça presse. Oui, c'était plutôt gênant d'aller comme ça dans les broussailles. Et les années passent. Le terminus du carré Philippe est trop petit. Il nous en faut un à la mesure des besoins des clients qui affluent. On en bâtira donc un tout neuf, angle Drummond et Dorchester. Souvent, ça nous est arrivé au coin de Drummond puis Dorchester. Là, on fermait le terminus. On vendait tellement de billets, là. Fallait fermer le terminus. Là, on fermait le terminus, là, puis les autobus qui rentraient, là, il n'y avait pas de question de louage comme qu'on fait dans le moment. Il fallait que tous les autobus s'en allaient au bout de la ligne, puis reviennent tout de suite, viennent chercher un autre voyage. C'est arrivé assez souvent, ça. On était obligé de fermer le terminus parce qu'il y avait trop de clients. Pas assez d'autobus. Mais dites plutôt que vous manquiez de billets. Demandez à mes vieux copains qui se comptaient leur journée dans le garage après leur joyeux transport. D'abord, ils se retrouvaient au garage de la rue Barré. Puis ils ont demandé à être logés plus grandement. La compagnie leur a bâti une maison de repos sur la rue William. Faut pas oublier que les années 30 étaient celles de la crise.
Les chauffeurs roulaient pas carrosse, mais pour rouler, ils roulaient. Je m'en rappelle de ça, on faisait les payes avec, on donnait pas de chèque dans ce temps-là, c'était toujours du cash. Hein. On faisait les enveloppes, je m'en rappelle, j'ai travaillé sur ça aussi, pour remplir les enveloppes de cash. Moi, j'ai le cash à la banque, pour tout ça. Là. Ouf, vite là. Quand un chauffeur a fait une mosure de deux semaines, on était payé le 15, le premier le 15, il a fait 45 piastres dans deux semaines. 50 piastres, il avait fait le top. Là. Il gagnait pas cher dans ce temps-là, hein. Faut penser à ça. Paul, il payait les uniformes. Leur uniforme restait pas longtemps dans la boulamite. Pas besoin de vous dire que les gars comptaient pas les tours, surtout avec la guerre en 39. Mes vieux pères ont connu, comme on dit, un virage en U pour autobus seulement. Plusieurs ont été conscrits. Le mouvement des gens en période de guerre a vraiment été un fait marquant pour l'industrie d'autobus, oui, et particulièrement pour le provincial transport du temps. Et là, il a fallu affecter au transport des gens en service une quantité assez considérable d'autobus à ce moment-là. Ça, c'est l'ère qu'on avait entre les années 38 et 42. Il faut dire que la famille avait contracté des alliances de bonheur. Comme dit le proverbe, qui prend compagnie, prend pays. La famille s'est agrandie. Mes aïeux ne se contentaient pas de magasiner, ils achetaient aussi. En Provincial Transport, qui dans le temps faisait un peu de tout, du charter, du nolisé, du service régulier, du suburbain, aller-retour matin et soir, etc. C'est vraiment développé dans la longue distance en faisant l'acquisition de Colonial. En 1945, la guerre est finie. Les restrictions sur l'essence et les pièces sont levées. Les vieux ont faim et soif de grands espaces et de longs circuits. Ils veulent de la corde et la compagnie leur en donne. Pierre Richer était là dans toute la verdeur de ses transports. Il leur a fait voir du pays, du monde et même de la poussière. Au grand circuit, dans le temps, sur le côté du sud, aujourd'hui on fait l'Express Québec, dans le passé on se rendait jusqu'à Saint-Hyacinthe. Après ça, ils ont ouvert ça, en ouvrant ça, c'était sur le gravier rouge, la transcanadienne sur le gravier rouge. On s'y rendait, nous autres, jusqu'à Drummondville. De Drummondville, on s'engageait d'être en bon conseil sur la nouvelle 20, mais pas faite, c'est seulement qu'en gravier rouge. Sur le côté du nord, on se rendait, nous autres, à Berthier. À Trois-Rivières aussi, ça se terminait là. Avec l'amélioration des routes et l'augmentation de la vitesse possible sur les routes entre deux points, les gens ont tout simplement perçu là, le besoin de se voir, d'aller visiter les autres, etc. D'ailleurs, l'industrie de l'autobus a été perçue et est encore perçue comme étant une industrie qui transporte des gens, qui visite les amis et les parents. Beaucoup plus que les gens qui voyagent par affaires, par exemple. D'où nos périodes de pointe de fin de semaine, vendredi et dimanche. Ça se dément pas, ça. Alors, je pense qu'en 50, c'est ça qui est arrivé. Moi, j'avais booké Joliette, et puis on faisait deux round-trips. La différence du travail sur ces deux fameux Joliettes-là, le matin, c'était des gens tranquilles. Des gens tranquilles comme ceci, c'était que des magasineurs. C'est des gens qui voyaient par affaires, des autres qui voyageaient par... Le voyage du soir, lui, en revenant au voyage du soir, ça veut dire que je faisais le 7h25 de Montréal ici. Et puis, dans le temps qu'on parle, c'est que les gens qui fréquentaient les jeunes filles, c'était le mardi, le jeudi, samedi, dimanche. C'était connu, cela. Ça veut dire qu'ici, de Montréal, le 7h25, on pouvait dire que tous les soirs, sans exception, tous les soirs, mardi soir, jeudi soir, j'en avais 20-25 qui allaient avoir les filles dans ce bout-là. Donc, le retour, je faisais le 10h25. En faisant le 10h25, pour les ramasser, pour ne pas les oublier, ils laissaient la lumière allumée à la sortie. Je veux dire, à la porte, pour montrer qu'ils étaient là. Mais j'étais tellement habitué qu'il y a des tantôt que la lumière n'était pas allumée, j'arrêtais. Puis, si elle n'était pas couchée, elle m'ouvrait la porte, elle me répondait, mais il n'est pas ici d'asseoir. Fait que donc, je continuais. À part le jeune Richer, à la fin des années 40, il y a eu aussi les Robichaud, les Deneau, les Dubois, les Lemieux, les Robitaille et combien d'autres.
des choses à raconter. Ils en auraient jusqu'à l'année prochaine. Par exemple, sur les excursions du dimanche à la plage idéale, à Pointe-Calumet, à Cap-Saint-Jacques. Ils appelaient ça comment donc? Ils appelaient ça les châteaux. Hein? Le matin, le dimanche au matin, tu étais bouqué au garage 5h30 à William en bas. Ça peut pas être plus clair. À moins d'ajouter que les châteaux, c'était les navettes, les excursions du dimanche. Le chauffeur s'amenait rue William à 5h30. Il montait au terminus Jean Talon où il prenait les excursionnistes. Tout un pique-nique pour ce gars. Attelé des fois pour 15 et même 20 heures. Veut pas. Mais quand il n'y avait pas personne de même, s'il restait seulement deux gars qui faisaient la vette, eux autres, il fallait qu'ils vident la plage. Fait que s'ils finissaient pas avant 2h du matin, on va dire. Et il faudrait pas oublier les fameux nowhere. Ça, mes amis, ça c'était... comment dire donc? C'était bien le fun. Ça fait un bon, oh oui, ça fait un bon 10-12 ans que c'était arrivé, ça. Mais dans le bon temps que c'était bien connu, là, c'était le voyage de détente, tu sais. Tu les ramenais, ils dormaient tout. Oh bien, ils te l'emmenaient, ils te l'emmenaient tout, ils te l'emmenaient, bien, c'était tout du néquin, en t'en revenant. Hein. Tu fermais tes lumières, moi, mon fun, il disait pas un mot. Puis j'arrivais, d'un coup, j'ouvrais d'un coup sec, hein, là, bien, ça dérangeait un peu à battante. Parce qu'habituellement, avant d'ouvrir, tu donnais deux, trois coups de lumière, de flashing, tu sais, mais là, tu arrivais, tu ouvrais ça d'un coup sec, oh, Dieu, hein. Les gars se mettaient encore le chapeau. Hein. Et revenons aux choses sérieuses. À la fin des années 50, transport provincial est en plein essor. Conclusion d'accord avec les transporteurs américains pour les correspondances, établissement de nouveaux terminus en Ontario et au Québec. Les autobus, eux, arborent de nouvelles couleurs distinctives. Un travail de planification s'amorce. En 1962, M. Paul Desmarais achète transport provincial. En 1969, Power Corporation en devient seul propriétaire. Les nouveaux patrons s'emploient à préciser la vocation particulière de leur transport, le longue distance. Le 23 juin 1970, enfin, inauguration de ce qui est depuis la tête de réseau, la base principale, le grand terminus, connu désormais sous le nom de Voyageurs. Alors, tu as là... En 68, par exemple, tu as vraiment, quand tu voyage, quand tu transport provincial, la réorientation là, totale des services. De provincial transport, d'abord, qu'on était à ce moment-là, on devient voyageur. Provincial transport disparaît comme nom. Là, vous voyez mes petits frères. Quelle famille, hein? Telle quelle, ils ont la binette familière que tout le monde leur connaît. Quand on s'appelle voyageur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voyage. Et on le fait de plus en plus vite et de plus en plus loin. Monsieur le Président, lui, il a la recette pour nous faire marcher. Et tu as l'intégration de deux grands réseaux qui sont l'Est de l'Ontario et l'ensemble du Québec. Ce qui veut dire que pour une première fois, tu as des gens qui peuvent voyager de Toronto à Gaspé à bord du même autobus. Avec la même compagnie. En même temps, évidemment, il faut toujours tenir compte du développement des routes, qui a joué un rôle excessivement important là-dedans. On donne un type de service qui devient un moyen de transport, qui à ce moment-là fait face à une nouvelle compétition. Et là, devient véritablement le moyen de communication dont je parlerai, qui dit aux gens, bien, vous avez votre automobile, vous avez le train, vous avez l'avion, mais vous avez aussi l'autobus, qui essaye de vous offrir un type de service qui n'était pas là jusqu'ici. Alors ça, c'est l'histoire des 10 dernières années. C'est là-dedans que Voyageurs, le réseau Voyageurs, s'est développé. Les grands patrons de Voyageurs, ils ont pensé que l'on pouvait faire peut-être autre chose que de transporter du monde. Pour permettre ça, on a ajouté à nos services des services qui n'existaient pas auparavant, comme par exemple celui des messageries, des colis. Le fait que le dessous de nos autobus sont vastes, il y a de la place, nous a permis d'offrir un service que les camionneurs de plus en plus délaissaient à ce moment-là, celui du petit colis, qui ne prend pas de place, qui est dispendieux à manipuler, etc.
Si vous le permettez, j'aimerais ajouter la liste des autres services que Voyageur a mis en route. Je pense au charter ou Nolisée. Les gens se rendent bien compte que l'auto, c'est dispendieux. En plus, avec nous, ils peuvent voyager en tout confort et sécurité. Visiter, par exemple, des régions éloignées. Assister à des réunions sportives, sociales, religieuses, culturelles. Oh, j'en aurais infiniment plus à dire. Mais je pense qu'il est temps que je parle de moi. On me voit de plus en plus, mais on me connaît encore trop peu. Il faut savoir ce que je présente comme amélioration. Dans l'amélioration, il y avait trois choses. Les toilettes, la ventilation, puis l'air climatisé, qui était bien confortable pour le passager. Oh, mais vous oubliez, Monsieur Richer, que ces commodités ont existé avant moi. Que des autobus qui avaient des noms comme Chevrolet, Mack, Prévost, White en étaient pourvus. Moi, j'ai le regard tourné vers l'avenir. Mon grand défi? Me substituer à la voiture privée pour les longs trajets. Me gagner l'affection des hommes d'affaires. C'est une ambition que je ne suis pas le seul à partager. Le Grand Express se veut un essai dans ce sens-là. Donner à l'industrie de l'autobus une stature qu'elle n'a pas eue jusqu'ici, pour toutes sortes de raisons, et où elle attaquera un marché qui n'a pas été le sien jusqu'ici. Est-ce que ça donnera, par exemple, ce qui existe en Europe, que vous avez sûrement vu, des développements sophistiqués au point d'avoir des autobus hôtels, par exemple, où l'autobus s'en va sur la piste de l'aéroport, se colle à côté de l'avion et votre homme d'affaires qui a une chambre de réservée à bord de l'autobus débarque de l'avion directement dans sa chambre où il a pupitre, lit et tout ce que vous voudrez, téléphone et autres, et c'est son bureau jusqu'à son point de destination. Est-ce qu'on ira jusqu'à ces choses-là? Je ne sais pas. Au Québec, je pense qu'on a beaucoup de développement à faire. D'abord, l'autobus articulé n'est pas encore accepté ici, ce qui est un des développements technologiques à prévoir dans le domaine de l'autobus. Mais oui, faites-moi confiance. Le Grand Express se veut être l'essai de ce qu'est l'avenir de l'autobus. Je ne serais pas surpris de voir un voyageur, au lieu d'être actuellement une entreprise avec 410 autobus, un type d'autobus. Vous avez entendu? Un type d'autobus. Je ne serai pas un autobus, mais l'autobus. Et voilà comme je suis après 50 ans, au meilleur de ma forme dans ma peau de Grand Express. Si vous voulez monter, faites-moi signe. Nous ferons route ensemble. Et comme dirait le poète, après 50 ans, on ne peut pas dire que j'ai mon voyage. Voyageur.